Écoutez, je vous avouerai qu'à la devanture du bâtiment, je m'attendais à trouver un gentil petit chalet suisse. C'est moderne, hein? Ne vous fiez plus aux apparences, la surprise sera totale, monsieur Lazé. Ben oui, le dépaysement aussi, ça. Nos décorateurs vont réaliser ce chalet en fonction du test. Ah oui, votre fameux test de personnalité. Oui, vous me la recopierez, celle-là. Je ne vais y consacrer que quelques minutes. 240 au total. Oui, 4 heures pour un résultat. Résultat? Les résultats, oui. Trivoyonne, avouez quand même qu'il n'y a pas de quoi casser une patte à un canard. C'est le reflet de votre personnalité cachée, monsieur Lazé. Ben, dites tout de suite que je suis un canard boiteux. Écoutez, il me semblait qu'à la question « Quelle est votre couleur préférée ?», j'avais répondu le rouge. Excusez-moi, mais je ne sais lequel de vos décorateurs est atteint de daltonisme, mais avouez quand même que le vert cache beaucoup le rouge, non? Monsieur Lazé, vous êtes gémeaux. Et alors? Eh bien, le signe des gémeaux est celui des échanges, de la nature. Tenez, en mai et en juin, le feuillage des arbres s'épanouit en partant à la conquête de l'aide et prenant toute sa place dans l'espace. Dans l'espace? Dans ce cas, vous auriez me fié de m'aménager une cabine Spoutnik. Faites confiance à nos psychologues, monsieur Lazé. Le rouge est la couleur de l'interdit. Oui, alors que le vert, plus sous cet angle. Ah tiens, vous avez quand même gardé la marque de fabrique suisse, c'est pour faire couleur locale. Et trompez-vous, tout ce qui se trouve ici a un rapport direct avec votre personnalité. Le coucou. Dans la poésie anglaise, il a longtemps été chanté comme le symbole de la voix éparse du printemps. Et notamment par John Woolmar. Qui? John Woolmar, favori du printemps. Voleur de nuit, écoute le bruit magique du coucou endolori. Coucou, coucou, est-ce toi ma muse? Est-ce toi ma voûte? Viens te serrer contre moi afin que mon coucou recoucoute. Afin que mon coucou recoucoute, oui, c'est une adaptation. Les traductions sont parfois riches de sens, oui. À ce propos, avez-vous appris les vers de Sully Prudhomme que nous vous avions conseillés? Les verbes de suivre. Ah oui. Le vase. Le vase ou crève cette verveine. Meurt cette verveine. Le vase ou meurt cette verveine. D'un coup. D'éventail. L'éventail fut fêlé. Le coucou. Le coucou du l'effleuré. Non, le cou. Ah oui, pas le coucou. Oui, le cou. Le cou du l'effleuré à peine, il touchait pas, il est brisé. Brisé, oui. Voilà. Pas brillant, monsieur Lazé, hein? Écoutez, monsieur Moyenne, moi j'ai jamais été doué pour ce genre de choses. Hein? Moi, ce sont les chiffres, c'est pas les lettres. Oui, mais il va falloir faire un effort, monsieur Lazé. Avez-vous remarqué ce magnifique vaseline sur cette sellette? C'est difficile de le manquer, surtout avec les roses, tiens. Eh bien, elle aussi le remarquera. Et lorsqu'elle vous dira ce vaseline est magnifique, vous pourrez la séduire par le petit peu de prudhomme. Ouais, et si je me trompe ou si je vous dis comme je viens de le faire, c'est moi qui serai sur la sellette. Amusant, monsieur Lazé, amusant. Ah oui. Nous allons d'ailleurs tout de suite remarquer au centre que vous aviez de l'humour. Ah bon? Oui. Surtout lorsque vous disiez préférer passer les 4 heures du test dans les bras de notre secrétaire. Ah oui, mais là, je ne plaisantais pas, monsieur Brian. Je sais, monsieur Lazé, je sais. Mais ce n'est pas une aventure ou une histoire sans lendemain que notre maison souhaite vous offrir. M'offrir, attendez. Votre petite mise en scène a tout de même un coût. Monsieur Lazé, quand on aime, on ne compte pas. Nous sommes les seuls sur le marché matrimonial à vous offrir, je persiste. À vous offrir l'âme sœur. Tous nos clients sont des déçus du mariage qui ne veulent pas subir un second échec. C'est là que nous intervenons. Mettre en relation deux personnes, se complétant parfaitement, dans un cadre oui, idéal... Oui, d'accord, inutile de me réciter votre brochure publicitaire, monsieur Moyen, je la connais par cœur. Et combien m'avez-vous trouvé de... Enfin, comment dois-je les appeler, les... Prétendante me semble appropriée, monsieur Lazé. Très bien, cela. Combien avez-vous trouvé de prétendante? Vous savez que vous êtes un homme chanceux. Ah oui? Oui. Savez-vous que la probabilité pour un homme de votre âge de trouver deux âmes sœurs est de 2,79%? Je ne sais ce qui est le plus blessant. Le fait que vous n'ayez trouvé que deux femmes dans le monde ou la référence faite à mon âge. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris, monsieur. Peu d'hommes peuvent se glorifier d'avoir une deuxième chance de trouver l'âme sœur. Deux chances, oui, mais pas une deuxième chance. Là est la différence. Et cela a été possible grâce à votre richesse intérieure, monsieur Lazé. Oui, merci. L'extérieur aussi y a contribué. Vous faites vos honoraires. Et je suppose qu'à ce tarif-là, je ne peux même pas voir leur visage. Non.
C'est un point très précis du règlement que vous avez accepté, monsieur David. Allez, moyen, juste un petit portrait. Pas même un photomaton. Allez, Suisse. Mais ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, dans moins d'une demi-heure, vous allez faire la rencontre d'Isabelle Verne. Qui? Isabelle Verne, votre première prétendante. Hein? Comment? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Non, je vous avoue pas, nous avons largement le temps de nous mettre en situation. Mais rien du tout, mais qui c'est cette Isabelle Verne? Verne! Oh, s'il vous plaît! C'est la journaliste! Attendez, temps mort, d'abord, quelle journaliste? Mais vous, du scénario, monsieur, la journaliste qui vient pour vous interviewer. Ah oui! Ah! Oh, je peux m'excuser, oui, bien sûr! Oui, c'est d'ailleurs à ce moment-là que mon ex-femme surgit, enfin, ma fausse ex-femme. C'est ça. Ouais, d'accord. N'allons pas trop vite, monsieur David. Vous avez raison, n'allons pas trop vite. Après tout, qui vous dit que... Ah, voilà, j'attendais le moment du doute. Vous réagissez tous de la même façon. Écoutez, voyons, c'est quand même légitime. Moi, je suis en quête de l'âme sœur. Elle, qui vous dit que je vais lui plaire? Cela fait partie du secret de nos institutions, monsieur Dazé. Je ne puis vous en dire davantage. Oui, moi, je saurais bien vous faire parler. Monsieur Dazé, comment pouvez-vous croire que... Écoutez, je ne vous demande pas de trahir votre entreprise. Je vous demande simplement de m'en expliquer les rouages. Tous les hommes ne sont pas mes. Tout dépend du nombre de zéros. Autant pour en mauvaise. Combien de zéros? 5. Vous plaisantez? Pas en dollars, jamais. Mais qui dois-je tuer? Je savais que nous trouverions un terrain d'entente. À mon ordre, le terrain d'entente, monsieur Dazé, à mon ordre. Bien sûr. Voilà. Je vous écoute. Tout ceci restera entre nous. In secula seculorum. Voyez-vous, l'originalité de notre système repose sur le fait que, contrairement aux autres agences matrimoniales, seul un prétendant sur les deux est demandeur. Généralement, je ne vous le cache pas, il s'agit du plus fortuné des deux. Ah. Notre agence est en relation avec des instituts spécialisés dans le recrutement professionnel. Chaque jour, sans le savoir, des centaines d'hommes et de femmes remplissent des formulaires, des tests, des sondages que nous achetons secrètement à ces organismes afin de constituer notre fichier de célibataire. Inutile de vous dire que nos candidats sont triés, choisis, étudiés afin que nous puissions élaborer un scénario qui les mettra en relation avec le demandeur. Oui, à leur insu. C'est ce qui fait le charme de cette relation, monsieur Dazé. Si le demandeur garde le secret, et dans 90% des cas, il le garde, le prétendant pensera avoir trouvé le grand amour grâce à un petit coup de pouce du destin qu'il ne pensera devoir pour hasard. Oui, enfin, un hasard qui a tout de même un parfum de mensonge, non? Si vite évaporé, monsieur Dazé. D'ailleurs, si vous-même, vous aviez la certitude qu'Isabelle Verne était la femme de votre vie, seriez-vous prêt à renoncer à l'épouser sous prétexte que votre rencontre n'était pas due au hasard? Je préférerais que ce soit le destin. Et pourquoi croyez-vous que nous nous appelions destin amour? Plus sous cet angle. Eh bien, monsieur Dazé, continuons-nous. Allez, on continue. Après tout, personne ne m'a forcé ou de mis de couteau sous la gorge et j'ai franchi librement le pas de votre porte. À la bonne heure, monsieur Dazé. En parlant d'un, nous avons pris un peu de retard sur l'horaire. Ah. Nous allons passer directement au scénario 1B. Ah oui. Tenez, je vous laisse le soin de le réétudier. Merci. Vous permettez que je passe un petit coup de téléphone? Je vous en prie. Oui, Jacqueline. Oui. L'opération Coucou Suisse débute à H00. Nous vous attendons. Bien évidemment, n'oubliez pas vos affaires. A de suite, Jacqueline. C'était Jacqueline Lepré, une de nos meilleures comédiennes qui jouera le rôle de votre ex-femme, puisqu'Isabelle Verne ne la connaît pas. Et je dois vous dire que je trouve votre scénario un brin hard. Présentez le scénario 1B? C'est celui qui cimente le plus les couples. Dans 3 ans, un seul échec. Non, vous ne m'enlèverez pas l'idée que cette histoire est un petit peu tirée par les cheveux. Sur le papier, cela fait toujours cet effet. Mais ne vous inquiétez pas. Tiens, en attendant, Jacqueline, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre boîte sans saut-test. Ma boîte sans saut quoi? Sans saut-test, oui. C'est un petit plus lié à la personnalité de chacun de nos clients, vous verrez. C'est très simple d'utilisation. Ah oui? Il vous suffit de dire un mot programmé et de valider 2 fois dans vos mains pour qu'aussitôt votre pièce change d'ambiance. C'est un petit gadget, mais qui aura son utilité, monsieur Dazé.
bien, nous pouvons commencer. C'est tout. Tout simplement. Alors, voyons, musique. Ah ben voilà, choix musicaux. Donc je dis. Musique, jazz. Pas de sonner à nouveau parce que je n'étais pas assez surpris là. Merci. Alors, excusez-moi.
Pas trop crédible alors.
Moi, je veux bien, mais... Oh, non, non, non. Ah, non. Ah, non, écoutez, Caroline n'a jamais eu aucun lien de parenté avec la famille Borgia. Non, non, la sobriété a le charme, ça, désolé. Ouais. Attendez-vous quand même à être un peu oublié. Mais non, n'oubliez pas le un peu, madame, s'il vous plaît. Donnez-moi votre arme que j'enlève la sécurité. Voilà. Et maintenant, faites attention, elle est chargée. Oui, et n'oubliez pas que la première balle est une vraie. Oui. Allô? T'en es-tu? Bien, merci. On m'annonce que la voiture d'Isabelle Verne arrive dans votre rue. Comment? Mais ça? Ne vous inquiétez pas, c'était prévu, monsieur Lazare, vous en ferez pas. Monsieur Lazare, avez-vous une dernière question? Mais oui, laissez-moi la poser. Arrêtez de me secouer. Et s'il ne rien... Si rien ne se passe comme prévu. Alors vous utilisez ce téléphone, vous faites le 333 et vous dites cactus. 333, cactus. Oui, cela vous va dire que vous êtes en difficulté. Oui. Nous interviendrons toujours dans le souci de rester très fidèles au scénario que le professeur Vermeil a élaboré. Voilà, c'est à vous de jouer, monsieur Lazare, c'est à vous de jouer. Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous. Tiens, vite vos affaires. Oui, je vais essayer. C'est ça. De l'existence. Vous savez que on dit que lorsqu'on a une fois dans
un métier comme le vôtre. Vous trouvez que je parle trop? Non. Vous auriez dû me dire qu'on allait faire votre biographie avant de passer à mon interview. Vous vous moquez. Non, vous avez raison. Et puis en plus, tout ceci va vous paraître futile. Vous qui êtes à la tête d'une immense fortune. Vous savez, il n'en a pas toujours été ainsi. Interview? Alors, d'où vous vient votre fortune? Écoutez, j'avais 10 ans quand tout a commencé. J'ai trouvé une petite paire de ciseaux rouillés. Rouillés, eux. Vous savez pas comment c'était, non? Non, c'est... Je l'ai décapé, je l'ai frotté, voilà, et je l'ai vendu, puisqu'elle valait 10 francs, je l'ai vendu 30 francs. J'avais donc triplé, voilà, sa valeur. Et c'est comme ça que vous avez fait fortune dans l'acier? Non, c'est quand j'ai acheté ma première usine. Avec l'argent des ciseaux? Mais non. Quand mon père était mort dans la nuit, il m'avait laissé 5 milliards. Forcément, ça aide. Ah oui, ça c'est sûr, ça aide forcément. Moi aussi, je me rappelle, un jour, j'ai trouvé une petite paire de ciseaux. Ah oui? Oui, je vous assure, c'était un matin de mai. J'avais vu quelque chose qui brillait dans la cour de l'immeuble. Alors, je suis descendue et... petite paire brouillée comme la vôtre. Et alors? Et alors je me suis coupée. Oh. Il a fallu me piquer contre le tétanos, alors j'ai reçu 10 coups de cravache parce que j'avais fait dépenser de l'argent inutilement à mes parents. Si en plus ils avaient su que cet enfoiré docteur avait essayé de m'embrasser, mais bien sûr j'ai préféré ne rien dire, hein, parce qu'il m'aurait traité de menteuse et j'aurais reçu 10 coups de cravache supplémentaires. Alors ça peut être bien la con, c'est bien la con, hein. Voilà, hein. Mais c'est moi aussi, j'aurais pu ramasser cette petite merde, la nettoyer, la revendre 30 francs et acheter ma première usine. Alors calmez-vous. Non, n'oubliez quand même pas que l'héritage de mon père a contribué à me donner le bon rôle, hein. Allez, vas-y. Mais vous savez, la roue tourne. Bien sûr, vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais ça changera, hein. Faut avoir confiance. Oh, je sais. Je ne devrais pas me plaindre, surtout avec... l'heureux événement que j'attends dans quelques mois. Ah oui? Mais je suis enceinte. Enceinte? Oh, c'est Florent qui va être content. Il n'est pas encore au courant. Possible, c'est une catastrophe. Et puis en plus, ça calmera ses craintes parce qu'il est tellement jaloux, si vous saviez. Oh mon Dieu. Ce soir, c'est décidé, je lui ferai la surprise. La surprise? Une nuit de carnaval, de lumière, de musique. Dans votre état, je ne crois pas la chose possible. Vous attendez quelqu'un? Mais je n'attends personne, qui fait la petite... Oh, qu'est-ce que je raconte? Restez ici, vous ne bougez pas. Mais enfin, je sais. J'espérais que tu
tu me prendrais un peu plus au sérieux. Bien sûr, on n'est pas du même monde, mais tu sais, je commençais à avoir confiance. Je disais comme ça qu'on pourrait fonder, enfin déjà un grand couple. Tu sais qu'en ce moment, à cause de l'état de santé de mon frère, depuis que ma mère est rentrée en prison, quand mon père s'est suicidé, eh ben, ils se sont bien trouvés. Mais je n'attends personne, qui c'est la petite Dédé. Vous, ça, vous vous exprimez très clairement. Toi, tu bouges pas. Ne bougez pas, vous bougez pas. Salaud, j'étais sûr que tu trouverais ta garçonnière avec lui. Je crois pas être minuit. Jacqueline, votre scepticisme, je m'assois dessus, faites ce qu'il vous dit. Mais non, elle. Ah ouais, tu veux lâcher comme ça? Eh ben, c'est toi qui crevais alors. Je t'aurais exposé le crâne avant. Et tu sais pourquoi? Ouais, moi j'aimerais bien savoir. Parce qu'elle est un petit méteux et qu'il n'y a pas de balle dans son revolver. Jeune homme, lâchez cette arme immédiatement. Tu me calmes, monsieur Nassim, j'ai la sortie à son feu. Que personne ne bouge. Ah, depuis, il m'a demandé de repasser dans quelques minutes, dans 10 minutes.
Ah, vous pouvez m'attacher au radiateur. Oh là là, c'est pas possible. Moi, Jacqueline, vous avez vu, drôlement traumatisée, cette petite. Je m'en fous, moi, j'ai mal. J'ai mal, mais évidemment, vous, c'est la souffrance physique. Pensez plus à la souffrance intellectuelle. La souffrance intellectuelle n'est rien à côté de la souffrance physique, Jacqueline. Prenez un peu sur vous. Faites preuve de stoïcisme. Merci de prendre des vacances et d'être allongé, hein. Ah, Brian! Monsieur Dazier, ça va? Moi j'en peux plus, très bon, Jean-Coq. Bon, ça va. C'est Jacqueline qui nous a fait une petite chute. Mon Dieu, Jacqueline! Vous m'entendez? Très bien, monsieur. Il va lui être sur des dégâts. Jacqueline, mais que s'est-il passé? C'est cet enfoiré! Ah, monsieur Dazé, voyons! Il m'a tiré comme un lapin! Oh, ne montre pas du doigt, monsieur Dazé, Jacqueline! Ah bon? Mais Jacqueline, ne parlez plus! Vous avez tiré sur Jacqueline? Non, écoutez, moi, j'ai visé sur le vase où meurt cette verveine. Jacqueline était devant, c'est elle qui a tout pris, hein, moi! Humain, il n'a jamais visé le vase! Mais le coup est parti tout seul! Monsieur Dazé, le scénario est tout le scénario n'était pas du tout. Il était même loin d'être quoi votre scénario. Parce que votre Isabelle Vergne n'était pas là au moment du drame. Voilà pourquoi. Quoi? Parfaitement. C'est vrai, c'était une remplaçante, on s'en fout. Un délit. Non, une remplaçante qui à côté, une névrosée psychotique masochiste inconsciente. Et élevée par des parents tellement durs qu'à côté les Thénardier font office de télétubis. Voilà. C'est lamentablement soldé par un échec et complice. Cette pauvre Jacqueline aurait pu servir de carpette au décor. En parlant de décor, alors écoutez, je vous demande de transmettre mes plus vives félicitations à l'Hispano abruti qui a conçu votre sens autonome. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah, au contraire, alors là, bravo. On a atteint des sommets. Si on aime les ambiances ringardes, les boules à facettes et gratte à la guitare, là, bravo. Changer le sens de test. Oui, et surtout la S-U-R-T-R-I-S-E. Oui, et si on pouvait aussi m'amener aux U-R-G-E-N-C-E-S. Bien évidemment, Jacqueline, mais ne vous inquiétez pas, la balle n'a fait que vous effleurer, ma petite Jacqueline. C'est superficieux. Ah, au fait, Isabelle Verne sera là dans moins d'une minute, alors je pense que vu l'état de Jacqueline, il serait peut-être bon de passer au plan de remplacement, non? Trop tard, je pense qu'en gros ça doit les amuser, là. Jacqueline, vous tiendrez le coup? Il faudra bien! Attention! Oh, Jacqueline, nous sommes prêts, tu veux m'approcher? Oui, mais. Attends, si vous pouvez me faire un petit bandage. Oui, allons dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la remplaçante enceinte et le papa. Elle est en plein délire. Non, elle a raison. De toute façon, vous n'avez prévu qu'une seule chambre, vous aussi. Non, une cuisine, une salle de bain. Tiens! La salle de bain. Très bien, la salle de bain, vous pourrez y dispenser les premiers soins. Allez! Vous avez votre brevet de secouriste au moins? Monsieur Lazé, nous sommes en Suisse. Oui, c'est vrai. Bon, et pour le plan de remplacement alors? Je donnerai de nouvelles instructions de mon portable. D'accord. Ah, il est lourd, regarde. Attends, vous voyez. Il n'y a pas perdu les os. Si je vais trop loin, mon cousin...
savez, en matière d'économie, il n'y a pas vraiment de frontières. En économie, je ne vous suis pas très bien. Comment, vous n'êtes pas journaliste pour Le Monde économique? Absolument pas, je travaille pour Suisse, c'est épanoui. Pardon? C'est un mensuel qui parle de sexe sans tabou. Suisse, sexe épanoui? Comment, on ne vous a pas prévenu? Non, 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 mais écoutez, ça n'a aucune espèce d'importance. Bien, Suisse, sexe épanoui. Cela vous donnera une idée des sujets que l'on va aborder. Et notez, notre dernier invité était Jean-Claude Van Damme. Et je vois, Jean-Claude Van Damme prend son pied avec une unijambiste. Sommes-nous condamnés à reproduire le même schéma en amour? Question intéressante, n'est-ce oui, pas? C'est vrai. Voyons, alors, le courrier d'électrice. Marion, 26 ans, je suis amoureuse du prêtre de ma paroisse depuis 4 ans. J'ai de plus en plus de scrupules. Dois-je renoncer à cet amour? Réponse de notre psychologue. Ne renoncez pas à cet amour, Marion. Il est défendu aux prêtres d'avoir des femmes. Mais rien n'interdit aux femmes l'usage des prêtres. Mais je suis la psychologue. Ah, c'est vous qui? Ah, une psy qui a de l'humour. Alors là, je n'ai plus qu'à bien me tenir. Vous permettez que je garde le magazine? Je vous en prie. Bien, je le lirai. Il m'a l'air d'être très intéressant. Vous permettez? Oh, je vous en prie. Interview du comte Cédric Dazé, le 26 mai 2007. Isabelle Bergne. Monsieur Dazé. Ah, appelez-moi Cédric. Elle s'explique avant tout par l'héritage de mon père, mais par un sens certain des affaires, parce que sans ce sens, il y a belle lurette que j'aurais tout dilapidé, n'est-ce pas? Cela fait 25 ans que vous êtes à la tête de 4 entreprises. Bientôt 28 ans. Oh, 28? Eh oui. Comment conciliez-vous travail et vie personnelle? Bien écoutez, j'ai pu concilier les deux durant de nombreuses années, et comme vous êtes journaliste, vous êtes censé savoir que je suis en instance de divorce. Justement, divorce. C'est un mot tabou pour vous? Non. C'est plutôt positif ou plutôt négatif? Ça dépend. En tout cas, c'est un constat qui permet d'aller de l'avant. Ah, donc vous avez l'intention de refaire votre vie? Oui. Oui, lorsque j'aurai trouvé l'âme sœur. Vous y croyez? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je crois en l'amour. Voici qui va intéresser nos lectrices. Notez, je ne passe pas une annonce, hein. Ah, oh, j'entends bien. Non, non, vous n'êtes pas le genre à inscrire. Dans la rubrique rencontre, homme de la cinquantaine, yeux marrons, cheveux châtains, 1m80, très bonne situation, multimillionnaire, cherche... Fine psychologue de la vie. Oh, ce serait une première. Vous croyez que l'argent dispense d'être malheureux, n'est-ce pas? Oh, je ne crois pas que vous soyez réellement malheureux, Cédric. Ah oui? Non, je pense que vous faites partie des gens qui ont le karma des coccinelles. Pardon? Le karma des coccinelles. C'est une métaphore que j'utilise lors de mes conférences pour expliquer que nous ne naissons pas tous égaux, même si votre constitution française rajoute en moi, et que certains humains recevront plus facilement un petit coup de pouce du destin que d'autres. Bon, je vous explique. Oui, s'il vous plaît. Dès la fin du printemps, j'installe ma piscine autoportante. Et tous les matins, avant d'aller à mon travail, mon petit plaisir, j'y passe l'épuisette afin d'y retirer les insectes morts dans la nuit. Alors, lorsque les mouches, les araignées ou les moustiques tombent de l'épuisette, je n'éprouve rien. Par contre, lorsque j'y trouve une coccinelle, alors là je lui dis, mais imbécile, tu avais besoin de venir dans cette piscine. Et si tu arrives encore, en regardant l'eau, d'apercevoir une coccinelle en train de se noyer, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, je prends mon épuisette et je la sauve. Alors que je ne le ferai pas pour les autres. Je ne peux pas savoir pourquoi il est important pour moi de la sauver. Ah oui, ça je vous comprends. En même temps, on a rarement envie d'écraser la bête à bon Dieu, hein. Vous avez parfaitement compris. Je pense qu'il en va de même pour les hommes. Ah. Oui, certains humains donneront plus envie d'être repêchés que d'autres. Je crois que le destin est sur nous, comme une épuisette. Les femmes ne devraient jamais être psychologues de profession. Ah oui, pourquoi ça? Pourquoi? Mais parce que contrairement à nous, vous avez cette magnifique inconscience de vouloir tout changer ou tout sauver. Vous préféreriez peut-être vous noyer dans la piscine. Pourquoi? Vous sentez-vous l'âme d'une épuisette? Vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux, monsieur Dazé. Oh, ce monsieur Dazé,
vous venez de le dire, vous venez de rompre notre intimité. Ah, parce que vous étiez en train de créer une intimité, là. Comment aurais-je échoué quelque part? Si vous m'offriez une coupe de champagne. Mais je croyais que... Qu'à ça tient. Vous aimez la musique latino-américaine? J'adore. Et vous aimez... Vous aimez Julio Iglesias? Mais j'en suis fan. C'est vrai? Ben oui. Alors là... Alors là... Surprise! Vous voyez bien, je suis en train de
préparer une réserve de chaussures au petit. On n'a pas besoin d'argent, on a notre café. Oui, bien sûr, je m'assois dessus, imbécile. De toute façon, c'est pas pour toi que je fais ce chèque, c'est pour l'enfant. D'ailleurs, je vais le mettre au nom de la mère. Valois. Vous appelez Valois? Oui. Alors là, écoutez, objection. Vous voulez réellement appeler votre enfant Margot? Bon, il faut évacuer, là. Tais-toi. Ben, l'organisateur? Aidez-moi, vous. 100 000 euros? Oui, oui, c'est peu cher payé à côté de ce que j'ai donné pour ce scénario catastrophe. Tranquille, ça va? Non, je crois que c'est votre bandage, il me compresse le bras. Oh, vous aussi, vous ne savez pas ce que vous vouliez. Vous n'avez pas besoin de jouer les hémophiles. Moi? Moi, ce que je veux, c'est vous, docteur. Votre manque de confiance en moi me consterne, Jacqueline. Et votre bandage me compresse. Je vous dis que je veux voir un docteur. On y va, Jacqueline, on y va. Allez, allez, venez. Trop tard. Si un d'entre vous me demande si j'attends quelqu'un, j'en viens de tirer du chef, d'accord? Venez, ouvre-moi, je sais que tu es là. Mon Dieu, Caroline. Oui, mon ex-femme. Mais c'est pas possible, c'est moi, sa femme. Allons, bon, le rôti qui se prend pour la dinde, après. Si malheureuse. Tu n'étais pas faite pour cette vie. Je te l'avais déjà dit. C'est pas lorsqu'on rencontre le prince charmant qu'on a l'âme d'une princesse. Pourtant, tu étais ma princesse, n'est-ce pas? Oui. Une belle au bois dormant, se réveillait après chaque baiser et qui se rendormait aussitôt. Il arrive un moment où la magie nous perd. Je n'ai plus l'âge de croire au comte. Bon, je vais devoir encore attendre longtemps. Mais attendre quoi? Je déçois, Cédric. Là, vraiment. C'est moi que vous vouliez voir, madame. Tu vois? Mademoiselle est plus courageuse que toi. C'est surtout que je ne sais pas ce que mademoiselle fait là. Écoute, papa, je crois que Caroline a le droit de savoir. Papa? Papa? Naturel.
eu connaissance de mon existence il n'y a que 2 mois seulement. Si tu as une fille. Oui, oui, et nous en avons eu confirmation grâce au test ADN que papa a bien voulu faire. Ah, parce que tu as fait un test ADN, toi? Ah oui, bien sûr, sinon comment j'aurais pu savoir que Florence était ma fille? Stéphanie. Que Stéphanie était ma fille. Florence ou Stéphanie? C'est Stéphanie. C'est Stéphanie. Oui, Florence, c'est ma sœur cadette. Voilà. Parce que tu as 2 filles. Ah non, Florence, c'est ma sœur, mais papa n'est pas le père. Ah non, à part qu'avec une comme ça, ça suffit. Quand maman a su qu'elle était enceinte de moi, elle avait déjà quitté papa. Ensuite, elle a rencontré Jean-François, le véritable père de Florence. Vous comprenez? Parfaitement. Moi, j'ai été élevée dans l'ignorance de mon père biologique jusqu'au jour où il y a eu cette tragédie. Tragédie? Oh, tu vas voir, elle a le chic pour attendre. C'était un matin de mai. Ma mère était déjà partie au marché et j'étais seule avec mon beau-père Jean-François et ma sœur Florence. Alors, il faut vous dire que mon beau-père était un ivrogne invétéré. Il en était déjà à sa 5e bière. Alors comme ça, de coup, il a voulu que je lui fasse une omelette. Chose que je fis, comme il ne l'a pas trouvée à son goût, il s'est mis à me tabasser avec la poêle Tefal. Tu ne peux pas savoir ce que cette petite a subi, ça. En m'entendant crier, ma sœur Florence a voulu me défendre. Mais à 14 ans, que voulez-vous faire contre un monstre pareil? Alors il a envoyé valdinguer contre la cuisinière Arthur Martin et là, elle s'est fracturée la tête. Elle est restée 6 mois dans le coma à la porte. Quand ma mère est rentrée, je l'ai tout raconté. Et elle a quitté ce Jean-François? Non! Elle lui a fracturé les jambes avec le hachoir à persil. Oui, oui, mais pas le petit Seb, hein, le gros Manuel, parce que... Il est mort quelque temps plus tard. Et suite du hachoir, il s'est renversé par un chauffard alcoolique. Il y a une justice tout de même. Oh, moi, j'avais tellement honte d'avoir été élevée par un monstre pareil que ma mère a voulu me délivrer en apprenant ce secret juste avant sa mort. Oh, vous avez perdu votre mère? Oui, à cause d'un poisson. Clarette? Non. Elle s'est fait dévorer par un requin. Elle n'a pas voulu emporter ce secret avec elle. Alors ça aurait été dommage. Pardon? Non. Prenez-moi pour une idiote si ça vous chante, mais pas pour une conne.
Je ne sais pas si vous êtes sa maîtresse et je m'en moque totalement. Il y a une chose que vous devez savoir. Je ne suis pas sa maîtresse. Je vous écoute. Cédric ne peut pas avoir d'enfant. Il est stérile. Et il l'a toujours été. C'est en sorte de regarder ce fait et de croire qu'il y a un enfant. Vous pouvez me croire, Cédric ne pourra jamais avoir de progéniture. Mais alors pourquoi n'avoir rien dit? Un mensonge nous engage mieux qu'aucune vérité. Il m'a tellement donné. Satisfaire votre curiosité, mais à une condition. Que nous fassions un ping-pong. Un ping-pong? Oui, un jeu de la vérité. Je vous pose une question et vous m'en reposez une en retour. Interdiction de mentir. Interdiction formelle. Un joker. Pourquoi faire? J'accepte. Déformation professionnelle. Responsable de curiosité. Vous mentez. Oh, ce n'est pas à vous commencer. Vous avez raison, je vous ai. Quelle est pour vous la femme idéale? La femme idéale? Oh mon Dieu, une femme qui aurait de la psychologie, de beaux yeux, dotée, il ne s'agit pas là de la femme idéale, mais de mon genre de femme, n'est-ce pas? Précision importante. À vous. Alors, seriez-vous prête à mentir à l'homme que vous aimez? Oui, tout dépend du mensonge. Et vous? Oui, tout dépend du mensonge. M'avez-vous déjà menti? Oui. Inutile de me poser la question. Moi aussi, je vous ai déjà menti. En ce cas, je propose que nous nous considérions comme qui? Accordé à l'unanimité, voilà. Un jeu de la vérité qui aura été rondement mené, n'est-ce pas? En même temps, ce n'est qu'un jeu. Pourquoi me regardez-vous comme cela? Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière vous.
10% de ma vie et j'aime ça. J'ai navigué seule pendant longtemps. J'ai eu mes périodes de tempête, de calme plat, mais j'ai toujours tenu seule le gouvernail. Je suis à un âge où j'ai besoin de lâcher un peu la barre, de faire une escale. Vous mentez. Vous trichez, vous. Vous ne dites que des choses positives. J'adore me saouler au champagne, me griser au vin de Bordeaux. Je déteste les pop-corns. Je me gave de chamallow et... Non, vous allez vous moquer. Quoi? Petite. J'adore les soirées disco. Ah oui. Et vous? Oh, moi, je suis divorcé, comme vous le savez, je n'ai pas d'enfant. J'ai un métier qui me bouffe 80% de ma vie et j'aime ça. Je n'aime pas les pop-corns, vous avez raison, ça reste coincé entre les dents. J'adore me saouler au vin de champagne, me griser au vin de Bordeaux. Il y a une chose que j'aimerais faire par-dessus tout, mais alors par-dessus tout avec vous, c'est une soirée disco. Non, vous moquez. Oh, je vous assure. Vous êtes sérieux? Sérieux, oui. Vous seriez chiche. Oh, c'est clair. Alors, vous connaissez Ursula Fayard? Ursula Fayard, oh oui, après. Après Bach et Mozart, c'est ma musique préférée. Une ambiance peut-être un peu tamisée et passer du sable, et vous? Là, tout de suite. Vous vous dégonflez? Voyez-vous que je suis arrivé où j'en suis arrivé pour me dégonfler devant Earth, Wind & Fire, hein, que j'ai d'ailleurs rencontré à New York en 1979. Sérieusement? Oui, c'est moi qui leur ai appris à danser. De vivre en état larvaire si vous n'aviez eu la courtoisie de me réveiller. Ne profitez pas de mon trouble, jouons doucement. Non, mais je n'ai plus envie de jouer, Isabelle. Et vous non plus, je le lis dans vos yeux. Dans mes yeux? Et oui, vous me regardez fixement afin que je ne puisse pas lire ce qui se cache en vous. Nous nous connaissons à peine. Oui, je sais, mais nous pourrions nous aimer par cœur. Vous n'y voyez pas là une fatalité, mais un signe du destin. Il faut que je le parte. Non. Non, je vous en prie. Il ne vaut mieux pas. Mais vous m'avez embrassé. Je me suis excusée. Écoutez, laissez-moi vous revoir pour rendre ce baiser. Non, écoutez, c'est vrai. Vous êtes en plein divorce. Vous êtes à vif. Écoutez, j'ai eu tort, voilà tout. Non, vous n'avez pas eu tort. Non, aucune femme m'avait fait danser à plus d'un tailleur comme vous venez de faire. Vous êtes belle. Non, et ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui vous donne des ailes. Je n'ai jamais cru que sans jeûne, il n'y a que l'amour pour vous donner cet élan. Non, vous êtes en train de faire une projection sur moi de tout ce que vous n'avez pas pu vivre avec votre femme. Vous avez tort, Isabelle. Il y a belle lurette que j'ai liquidé ma femme. Ah, aidez-moi! Oh, aidez-moi! Le petit qui se fait la malle! Yann! Mais vous la petite femme d'un docteur! Attendez, occupez-vous d'elle! Oui! Yann, il m'empêche! Madame, vous savez quel jour nous sommes? Mais rien n'affiche! Simplement que c'est pas mon jour. Je vous dis que je veux voir un docteur. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Sa femme. La
besoin. Lorsque vous m'avez dit que vous aviez liquidé votre femme, je pensais que c'était au sens figuré. Madame, cette femme n'est pas Madame Dazé. Oui, c'est ça, vous l'expliquerez aux flics. Enfin, je vous assure, Isabelle, il s'agit d'une méprise. Cette femme est, il s'appelle Jacqueline. Jacqueline comment? Jacqueline Lepré, voilà. C'est une comédienne. Une comédienne? Parfaitement. Et cela faisait partie du scénario. Isabelle, j'ai engagé ces personnes afin que nous puissions être mis en relation. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Pourquoi? C'est parce que vous êtes mon âme sœur et que j'aurais tout donné plutôt que de ne pas être sur votre route. Vous allez peut-être me trouver tordu, mais si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose. Et avant que vous ne preniez une décision, j'aimerais que vous veniez de penser à tout ce que nous venons de vivre. J'ai simplement voulu donner un petit coup de pouce au destin. C'est d'ailleurs la devise de la maison. La maison voudrait que je prenne mes jambes à mon cou et que je ne vous revoie plus jamais. Quelque chose me dit que je risquerai de le regretter. Tu es fou. Et toi, tu es encore plus folle de m'aimer. Ah, aidez-moi, aidez-moi. Je vais l'amener par le docteur. Mais je t'accompagne. Non, tu es formé. Venez, Jacqueline, on va s'occuper de vous, Jacqueline, venez à vous. Salaud. Oh, salaud. Vous voulez ma peau? Mais non, Jacqueline, personne ne veut votre peau, elle est trop coriace. Salaud. Non, restez ici. Racontez-vous à Isabelle, je préfère qu'elle soit au courant quand je... Allez, venez. Oui. Jacqueline, c'est moi, venez, on va voir le docteur. Oh, le docteur. Non, c'est pas par là, Jacqueline, le docteur, c'est par là. Oh, on va voir le docteur. Enfin, on va plutôt aller aux urgences, parce que le docteur, je pense que c'est fermé maintenant. Le docteur. Allez, nous avons eu quelques frayeurs. Ça, vous pouvez le dire. Nous avons-nous donné satisfaction? Oh, entièrement, Monsieur Bryan. Vous avez mené ce scénario de main de maître, pour vos honoraires. Bien de presse, madame, nous verrons cela plus tard. Vous auriez tout de même pu me prévenir pour la comédienne. Hélas, madame, il n'était pas prévu qu'elle soit blessée. Vous comptez lui dire la vérité? Oh, vous plaisantez. C'est bien la dernière chose à faire. Non, les hommes sont trop orgueilleux. Je lui laisserai croire qu'il m'a choisi et qu'il est le demandeur. Sinon, à quoi bon vous avoir proposé un tel scénario? Nous n'avions eu qu'à peaufiner. Vous saviez ce que vous vouliez. Oh, que oui. Dans quelques mois, il m'épousera. Je suis encore assez jeune pour lui donner un héritier et assurer mes vieux jours. Je vois que vous avez tout programmé. Les femmes comme moi doivent toujours avoir une longueur d'avance, Monsieur Bryan. Il n'y a pas de place pour les surprises. Thank you.
comédie des cartons qui a été écrite il y a 15 ans. Nous aurons le plaisir de vous jouer sur cette scène du théâtre Molière et puis en mai 2007 pour notre création. 2008, nous. Bastien Mottet, Maxime Gros, Mireille Aïta, Sylvie de Chazeron, Clémentine Dejean et Sylvie Bauduin vous ont présenté l'agence Mans.